Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ah bah tu sais, bon, je vous parlais d'odeur de mal alpha. Tac. Là on a un problème, Corentin. C'est toi qui bouge la plante? Il y a une couille dans le pâté. Du pâté? Ah, on a les mains. Je suis en col. Ok. Ne tombe pas. J'ai coupé. Non. Hashtag un iPhone pour Steph, peut-être ah bah un téléphone de Mel. Franchement, il est terrible. Yo, la team. La team. La sa team pour aujourd'hui. Team. Ouais. Team, voilà, la team. Hein. La team. Motivé le lundi, là, la team. Putain, hein. Le lundi, il est dur. Hein. Ça va ou quoi, là? Team. Bon, mon Steph, nouvelle semaine, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de monter le cornhole, là, pour ce soir. C'est quoi donc? Le cornhole, c'est un sport qui se fait énormément. Sur TikTok, non? Ça a l'air incroyable. J'ai trop envie d'essayer. Il y a les sacs, regarde comment ils sont lourds derrière. Ah oui. Oh putain, ça pèse un... Ça du coup, Elise a pris le relais. Mon taux de confiance est de 36% sur ce que va faire Elise. Ah oui, voilà. Moi ça va 42. Il va falloir forcer. Hein. Aïe, 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 l'accident filmé. Oh mon dieu, Elise. Allez, Elise. Et let's go. Ouais, ouais, ouais. Et comme je disais, taux de confiance 96%. Je savais qu'elle allait réussir. Faut forcer. J'ai vu ça dans Karate Kid. J'ai jamais joué. C'est un peu comme la pétanque. Non, non, ouais. C'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Main à plat et tu fais tourner comme ça pour que ça glisse. Vise un petit peu avant, mieux vaut avant qu'après. Oh! Ouais, vas-y, montre-nous tes talents. Un craco. Il a même pas touché le truc. Faut que vous le fassiez tourner avec la main plate. Bon, voilà, un peu comme. C'est ouf. C'est vrai? On va aller dessus. Allez, à toi, Cam. D'ailleurs, je filme ta couleur de cheveux, Cam, parce que je sais pas si t'as vu les commentaires du dernier vlog, mais Cam en blonde, aïe aïe aïe. Ouais, hein. J'ai trop. C'était pas très d'accord avec, avec toi et Karine. Hein. Ça a fait frémousser plein de personnes. Hein, ouais. Ça se dit pas frémousser. J'ai trop de gentils commentaires. Ouais. C'est que ça m'a envoyé des screens de commentaires. Elle m'a dit, regarde. Elle m'a dit, voilà. Cam, la frappe de Paname. Hein. Je t'éclaire ton dimanche, elle était trop bien. Oh ouais, j'ai tu l'as eu. C'est trop fort. Prenez-en de la graine les deux là-bas là. Eh, pas de coupure au montage, qu'on voit bien que c'était mon premier essai. Voilà. Je couperai pas la séquence tant que t'arrives pas Elise, donc dépêche-toi, j'ai mal au bras là. Foutu, non. Ouais. Non, 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 non Elise, non. Frère, il est dedans. Non, on le voit encore. Non. Attends, j'appelle la VAR. Non. Ce qui est bien, c'est que tu m'entraînes pour ce soir, il risque d'avoir cette situation avec les garçons. Attendez, mais je viens de penser. Elise, elle est pas au courant de la zanzinade. Elle était à LA. Voilà, let's go. C'est comme ça, regarde. Non, non, là tu as fait une dog beat. Ah putain, j'avais presque le deuxième. Dommage. C'est quoi du coup la zanzinade? C'est Cam qui explique la zanzinade. On voilà. Était tranquillement en réunion billard, quand d'un coup, Steph, posé sur le canapé, se lève et fait... Travaillez sur le canapé. Il se lève d'un coup, il va chercher la cam. Il dit, les gars, j'ai une bête d'idée. Venez, on sort une collection G-Corp. Chaque membre de la G-Corp crée son t-shirt et on met en vente. J'aime bien. Avec une petite enveloppe chacun, pour respecter le budget, tu vois, budget imposé, etc. Vous allez être le directeur artistique de votre propre t-shirt qui sera mis en vente sur la boutique. Ok, j'aime bien. Zanzinade ou pas? Toi, ça va être un truc type baseball ou NFL, je le sens. Ah, tu fais ce que tu veux après. Ça se voit que ça fuse, il y a plein de trucs dans sa tête, elle est en train d'imaginer des trucs. Vous partez tous du même modèle de t-shirt, après vous pouvez choisir la couleur du t-shirt. Mais non, on peut pas partir du même modèle. Ça, c'est moi qui l'impose. Je peux payer un supplément. Vous l'accueillez même pas? Le graphisme. J'aime bien parce que ça fait. Le bureau il est clear depuis une semaine. Pierre il arrive, j'ai réussi à foutre du bordel dessus. Ah là là, t'abuses. Je me suis fait fumer par mon daron à cause de toi. Pourquoi? Je me suis fait fumer. Ah, pour la poignée. Vous savez, c'est Stéphane et sa famille qui ont fait les travaux des studios. Et regardez, ça fait 6 mois que c'est terminé. La poignée n'est toujours pas installée. Parce qu'en plus, je t'avais déjà dit qu'il m'avait dit de le faire. Il voulait venir exprès la remettre. Je lui ai dit non, c'est trop loin, je la remets. Il a vu le vlog, il m'a fumé. Bah ouais, mais après, tu devais la remettre aussi. Hein. Ouais, c'est la honte. Je voulais venir, t'as dit que tu faisais. Oh non, le pauvre. Non, il a fait du bon travail. Il a fait du très bon travail. Son daron a fait du très bon travail. C'était moitié premier degré, moitié huitième degré. Tu sais, il y avait le seul truc que je te confie. T'as dit que tu le faisais. Non, non, non. Si j'avais su, je serais venu. Aïe, aïe, aïe. La sauce du daron. Et regardez bien ce qui est en train de se passer. Steph est en train de virer tout le bazar. Oui, oui, oui. De le poser à côté. C'est vrai. On en reparle dans 3 semaines. Voilà, il c'est en ça. Pas bougé. C'est exactement ça. Alors, comme ça, le FC Steph. Bah ouais, vous vous demandez peut-être pourquoi je suis joyeux. Le FC Steph a refait surface. Ils étaient tapis dans l'ombre, comme j'ai vu un top commentaire. Ah, ils sont là, ils bougent pas. Le top commentaire, je veux pas. Enfin, bref. On va essayer de pas vous
décevoir. Merci, merci le FC Steph, voilà. Il s'appelle comment? C'est juste FC Steph, c'est pas... C'est le FC Steph pour l'instant, je suis en train de réfléchir à toutes ces petites choses pour le t-shirt. Merci à tous les gars, on est là. Team Yann toujours présente aussi, hein. La Team Yann, elle commence à prendre aussi. Team Yann aussi, ça commence à prendre. La Team Yann, elle commence à arriver. Moi, la Team Alexou... Non, mais t'inquiète. Alexou, là, c'était sur les tournages de cet été. Alexou, en fait, chacun a sa petite ouais, phrase. C'est ça, en fait. Parce que Cam Cam aussi sur les vlogs, là. Ouais. Attention, la nouvelle couleur de cheveux. Hein. La Team Cam Cam. Attends, ouais. Je le fais en version Jones. Alors le coco, oh là là, la grosse teinture en cours là. Tu atteins les cheveux coco aussi? Toi aussi t'es passé par là toi. Oui, mais moi c'est que, là c'est que la première déco. Et je veux encore, je fais un blond encore plus clair, un blond polaire. Et du coup faut que je le repasse encore, tu vois, là c'était une première fois. Beaucoup de commentaires qui disent que ça te va super bien en tout cas. Oui, c'est trop gentil. C'est l'heure du brief aux équipes techniques. Et Doag a fait une teinture, c'est pour ça qu'il a un sac plastique sur la tête. Et pendant ce temps, on a le coco en train de se faire tout beau là. Regardez comme c'est minutieux là. Là je suis concentré comme jamais là. Ouais, ça se joue au millimètre, hein. Là, ici, on a Pierre qui travaille, qui fait des minias. Ici, on a Evan qui travaille aussi, qui fait des TikTok. Et là, on a le Yann. Ce plan, il faudra faire un best-of de à chaque fois que t'enlèves ton oreille. Ouais. Tu veux quoi, en fait? Je fais le best-of, voilà. La tromperie est le nerf de la guerre. Ceux qui ont la rêve, vous êtes des rois. Le reste, qui n'a pas la rêve quand même, les gens ils suivent Corentin. Hein. Ils suivent Gotagaz de French Monster quand même. Hein. Et tu vas nous faire quoi cette semaine pour le vlog? Parce que là ta fanbase elle t'attend aussi. Oh putain, c'est vrai ça. Je sais pas moi. Quand je suis focus sur un truc, je focus sur un truc. Et si tu veux que je me focalise sur le vlog, faut que je m'y mette vraiment, tu vois. Ok. Ou un petit truc quoi. On va cette séquence là. Peut-être pas maintenant forcément, mais trouver une idée. Ok, allez. Oh viens, tu te mets dans le carton. Non, mais on enlève. Non, Camille, elle vient de le faire, on va se faire tuer. Non, mais elle verra pas, Camille. C'est bon, elle verra pas. Ok, allez. Merde. Elle arrive. Camille. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une question. Quoi? T'étais à côté de mes commandes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que on peut retirer les commandes d'un carton? Comme ça on fait une séquence où Yann il se met dedans et après on remet les commandes. Ah oui, vous pouvez faire ça. Yes! Attends, il y en a tellement. Si j'avais su, vous m'avez pas vu galérer là pendant un quart d'heure à tous les... Moi, lui il a vu. Personne n'a levé le petit doigt pour m'aider. J'étais en train de faire le montage. Et alors, ça a mis 15 minutes toute seule, ça aurait mis 3 minutes à deux. T'imagines 3 minutes? Yann, franchement t'abuses. Moi j'ai pas vu, j'étais en train de parler. Alors t'étais en train de faire ton montage pour faire tes conneries ou tu fais du avec ça dans tous les locaux. Ah ouais, contre, tu te mets dedans et je te pousse. Ah ouais, ça va être trop drôle. Allez, on fait ça. J'ai la turbo crème, putain. Vas-y, une adresse au pif là. Le nom, tu dis juste la première lettre et le prénom. G. Grégory. Quelle ville? Artane, dans le 37. Je sais pas du tout où c'est. Félicitations, ta commande, c'est moi qui vais la poster maintenant. Tout ça, ça reste là. Oh là mais là. Elle part maintenant. Waouh. La team, on se retrouve une nouvelle fois dans les vlogs. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? On le cache. Mais tu remets toutes les commandes dedans? Mais c'est quoi la finalité de cette séquence? Après, je vais aller voir Coco, je vais dire, bah, cherche Yann, il est caché quelque part. Donc il y aura un chanceux de chez vous qui se fera livrer par moi. Mais plutôt celle en plastique. On récapitule les idées de tout le monde depuis le début. Donc il y a Steph qui voulait me lancer des fléchettes dessus. Il y a Alex qui voulait me tirer dessus gratuitement. Et maintenant, il m'enferme sous les commandes. Doug, il s'intéresse à la vie de chaque personne qui a commandé. Hey, vous habitez dans des endroits bizarres. Hein. Regarde les adresses et tout. Compère. C'est où c'est ça, compère? Non, mais putain, mais tout ça pour ça. Juste en mettre un sur sa tête. On a plus de monteur, putain. Tu vois que tu vas devoir monter les vestes. Attends, il y a une preuve là. Oh, wow, il voit mal ou pas? Ah ouais, il voit très mal. J'ai des problèmes de vue. C'est l'heure de la minute Twag. Donc là du coup voilà, là j'ai ma timeline. Quand c'est rose c'est que j'ai coupé. Quand c'est bleu c'est que j'ai ajouté. Et quand c'est vert c'est que je vois rien. J'ai un nouveau collègue monteur maintenant. Moi ton boss. Y'a Yann qui essaie de parler. Il parle mais je l'entends pas. T'avais sauvegardé j'espère. J'ai rien sauvegardé monteur du tout, hein. Mais non j'ai fermé le logiciel. Bah il a touché, oh hein. J'avoue oh il a touché. Oh bah pas de best-of ce dimanche. Après y'avait quoi? Y'avait que 10 minutes de travail dessus non? Ouais en vrai c'est pas depuis la semaine dernière que c'est. Sinon ça va? Ah il est mort, ça y est. Ah non c'est trop drôle. Oh le pauvre, elle vomit pas hein, tu nous dis si t'as la nausée. Ça va? Ouais le mieux c'est d'en mettre un. Excusez-moi deux secondes. Moi il y a la poste qui peut arriver à tout moment là hein. Ça va la team là? Ah bah écoute, moi ça va et toi? Je suis vraiment nickel là. Il est chargé? Il est chargé. Il est chargé, là tu tires cette. Ouais je vais dire, décolle. J'ai trop peur. A few moments later. Bon les gars ça fait 20 minutes que je suis sous les cartons là. Bon du coup allez on envoie tout à la poste. Ça bouge là. Bon, du coup, Coco, il va essayer le cornhole. Oh. Et quand il reste dessus, c'est un point. Et quand ça... Oh, oh avec le rebond. Un partout. C'est bon, ça se voit maintenant. Oh, t'as failli décéder. Wow. C'est trop dur. Fais-le tourner.
T'as vu quand tu vises bien. T'as vu quand tu vises bien. Oh, oh, le mental que tu lui mets, le pauvre. Mais je travaille pas là, c'est pas important. Il y a des primes en jeu là. Je sais pas, on a fait juste un autre play tous ensemble et j'ai gagné largement. C'est vrai. Largement. Il est 19h15. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je suis en train de chuchoter. Toagbi qui fait la petite sieste. Là, il a arrêté, mais il était en train de ronfler il y a 2 minutes. C'est bon, Toagbi, t'es prêt pour l'émission. T'es chaud, Toag, c'est bon pour l'émission, t'es prêt. Nickel, bah tu me tiens. On commence quand tu veux là, il est 19h15. Ça va t'arrêter pas tarder. Ouais. Excuse-moi, je m'en vais, Doug. T'as vu comment il dort avec le sourire? Mais oui, il est trop mignon, il est là, les mains dans la poche, il est heureux. Il est trop habitué à ça en gaming, hein, ça se voit. Comme vous le savez, je suppose de toute façon, vous avez vu la date du jour, vous êtes très au fait, très au courant de ce qu'on a ce soir. C'est bien un outplay avec Théodore et Michou. Et du coup, en arrivant, c'est qui s'entraîne? Qu'est-ce qui se passe? Mais non. C'est pendant que tu lances après. On n'oublie pas les warnings de partout, ceci n'est pas de l'entraînement, mais... Ah, mais pas autant. Là, tu la mets comme coup, ça. Tu tournes ton poignet quand elle est en l'air. Voilà, c'est voilà. Ça. Mais donc, il va galérer. Alors. Salut, ça va? Comment ça va? Ça va quoi? Ça va tranquille. Arrête, t'es un tricheur. Non, mais je teste le matériel parce qu'en fait. Mais comment ça, il y a des flingues? Oh là. Mais attends, mec, c'est une dinguerie. Celui qui perd, genre, il se mettra comme ça et il se prendra des billes dans les fesses. Oh oui, allez, arrête. Mais attends, mais c'est de l'airsoft? Ouais. Mais on a le droit de tirer de l'airsoft. Non, c'est pour ça qu'on précise bien. Faut bien dire que c'est une réplique, pas une arme. Et ne vise jamais personne. Genre, même pour rigoler, tu vises quelqu'un, on peut se faire ban. Attends, mais les cibles. C'est lui le premier. Allez, il est temps là. Il a pression. La dernière, ils me disent vas-y, t'as pas les couilles de viser le 30. J'ai visé le 30, j'ai réussi, j'ai crié partout. Inox a lui de jouer, il casse le truc. Du coup, ça a niqué la game. Ouais. Du coup, on a cancel le jeu. J'avais loupé mon. Vu que j'ai déjà tiré, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit au moins comme ça, tu t'entraînes un peu. Et... Attends, je vais dire bonjour à tout le monde. Vas-y, je t'en prie. Trop mieux. Il est trop gentil, hein. Gentil, viens, dis bonjour à tout le monde. Toujours cute, toujours kawaiiné. N'oubliez jamais les prêts. Toujours kawaiiné. En vrai, je t'ai sorti une ref. Kawaiiné. Je donne des refs. Vas-y, donne une autre ref comme ça là. Non, mais c'est déjà bien. Ah, mais un autre même là. Bah non, mais du coup, là, c'est déjà. Pas d'autre idée. Oh, je suis double KO, faut que je me récupère. Faut que tu te recharges. Dormir. Quoi? T'es double KO, faut que je te récupère. Tu t'as pas la ref? Ah, j'ai pas la ref. C'est quoi, Friends? C'est Richie. Richie, Golo, quoi? Richie, quoi? Richie. Tu connais pas que Richie? Mais je suis double sûr. KO, faut que je me récupère. Faut que je me récupère. Richie le Gaulois. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Il a dit Richie le Gaulois. J'ai rien compris. Mais Frogues! Oh là là! Il a rien à pour lui. Golo et Richie, c'est un duo sur Snap. Mais tu les connais pas? Et. Ah oui, les deux. Les deux quoi? Les deux mecs gentils et hyper drôles. Pourquoi t'es tout rouge, Alex? Je suis pas rouge. Il est tout rouge. C'est chaud. Les deux mecs super drôles. Ok, ouais, t'es bizarre. Et c'est celui qui dit t'as trop la rage. T'as trop la rage, bah voilà. Oh là là, mais attends 2 secondes, tes poumons ils se font vite. Warning, le warning. Comme quand, tu sais, quand tu retiens ton souffle. Comme quand. Ouais. Et là, dès que t'as fini ton souffle, je t'as 1 ou 2 secondes pour tirer. Normalement, tu bouges pas d'un poil. Je vais juste chercher ça la. Ça passe, non? Mais en vrai, y'a une méta, hein. Là c'est chargé. Là t'as je me sens un guerrier. Pose-toi sur mon épaule, tu vas commencer. Ah comme plus ça simple, là ça va être plus simple. Ouais, tu bouges beaucoup moins normalement. Ah ouais, là je me sens un vrai sniper. Hein. Oh. Putain, il me rend fou le 1 point là. Eh hey, mais vous avez changé de cam vlog. Ouais. Allez, allez plus bien, elle. Ouais, allez ouais, plus elle. Hein. Il voit tout, c'est incroyable. C'est l'une des seules personnes qui vient qui dit ouais ça a changé ça. L'objectif il a grossi. Ouais, 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 c'est plus imposant. Ouais, ouais. Là je sens que c'est Gotaga, tu vois. Là c'est une vraie cam, comme t'as toi aussi. Là j'ai eu 2 fois de suite. T'es le rouge là. Ouais, tu vises le centre et tu vises ici en termes de distance. Tu vises là. Ah ouais. Tu vises là, Coco, regarde. Non mais. Il est trop fort. Non mais il fait ça tous les jours. Lui par contre il pratique l'airsoft, c'est son sport. Ah ok. Et c'est le seul ici. Parce que s'il a réussi 2 fois d'affilée. Ah tu l'as eu là non? Arrête. En plein dedans. Oh wow, le boss. Oh le crack. Mais ouais. Faudra qu'on le dise à Doig et Théodore. Vise là. Ou sinon on garde la strat que pour nous deux. Et eux le sauront. Attends, mode, t'es où? Vas-y, fais un truc frère. Ah ouais, c'est trop bien. Et tu sauves tout le monde. C'est ça pareil. Vas-y, entraîne-toi, attends. Ceci est du test de matériel, ce n'est pas de l'entraînement. Je teste le matériel. Ça m'a l'air pas mal, hein. C'est bien, ouais. Les sacs sont cool, hein. Oh, il a one shot direct. Je suis là spécialement pour toi, regarde. Mec, il a l'air plus violent que le sniper, hein. Ouais, ça rigole pas, ça. En fait, le bruit fait peur. Là, il y a un petit peu de recul. Mais pas tes doigts là, parce que la culasse, elle va reculer. Mais c'est précis? Normalement, assez, ouais. Ouh. Je me rends pas compte, j'y tire où? Je sais pas pourquoi. Moi, je vois pas, moi. Ah ouais? Je la vois pas, en fait. Bon, par contre, elle revient la bille. Putain, bande, c'est ouf! Tu sens le. T'as vu, il fait un peu de vent et tout. Ouais, ouais. Ouais, c'est le gaz. La vie qu'a tiré, c'est beaucoup mieux que le sniper. Ouais. Parce qu'en fait, tu tires le truc, mais. Ouais, ouais. T'as vraiment l'impression de tirer avec ouais, une arme. Ouais, ouais, de... ouf. Non, mais fais pas une main. Ah, pourquoi? Si tu fais pas une main, normalement. Ah, ouais. Et un peu de recul. C'est toi, il se le prend à la tête. Ah.
Oh ouais, mais Katia avec un vrai feu. Ouais. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Il regarde Il regarde de haut. Tiens, deux, trois, deux, trois. C'est quoi? Oui, je vais viser le noir. Ok, c'est bizarre, c'est comme ça. En fait, c'est pas ça. Non. Coco, c'est. Ouah, Coco. Ouah, Coco. Ferme-la. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai eu peur. Coco, détruit la pile de gobelets là. Oh ouais. Détruit. Oh, tu l'as touché, hein? Ah ouais? Ah ouais, what? Il y a un petit impact. Attends, j'ai envie de tirer avec le sniper. Je crois lancer. Oh! Il a percé les 12 gobelets là, non? Je sais pas. Ah, mais quand même, hein! Ah oui, t'as trouvé, hein? Oh! Ah, mais il a transpercé lui plus les autres! Mais gros, t'as transpercé mais toute la pile! T'es mal le gobelet? Les deux côtés! Ah ouais? Ça va? Non, ça va, c'est juste que je t'ai pas entraîné du coup au sniper. Il s'est entraîné à ce qu'il fait. T'as pas besoin, toi. Pas besoin, les gars, je suis chaud. Après tout, un gage, c'est quoi? Deux, les gars. Gage. Deux. En vrai, c'est juste faire pareil, mon pognon. Ouais, t'as le temps, les gars. Sous 48 heures, même. Les gars. Faut calme. En vrai, c'est bah... en termes de vidéo, ça fait des ouais, en termes de vidéo, ouais. Les gars, j'ai un train là, pile pour Angers. Ah merde, maintenant là? Ouais, maintenant, pile maintenant. Ah, mais tu te fais équiper, c'est dommage ça. Putain, ça passe dans le train ça? Non, je crois pas. En gros, si vous perdez, tu dois faire un truc en vélo, genre de Paris jusqu'à Montpellier. Non, nous, 0 vannes là? Et vous, si vous gagnez, genre on doit mettre. Nous, on doit juste sauter en l'air et toucher le sol. Ouais, on doit juste mettre une photo. On doit juste mettre une photo troll sur Insta, genre. Les gars, t'es un bâtard. Les gars, Ouf les gars. Waouh, doucement. Doucement. Tu vas utiliser ça surtout là-bas. Ok, ça on ne se pointe. Non, vraiment aucune vanne, rien. Ok, je dis pas. C'est le seul jeu un petit peu chiant où il faut faire attention. Une bille dans l'œil, c'est fini pour people. Je veux dire tout ce que je veux sauf arme. Tout ce que je veux sauf arme. D'accord. Ok. Non mais une bille dans l'œil, c'est fini. Oui, d'accord, c'est ciao. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, on commence là. On va discuter un peu une demi-heure et ensuite ça va game. Ah, il y a des pandos, moi j'adore. Ça me va bien. Hein. Ça va, ouais. Tu veux la vraie réponse ou Let's go. Parti pour la victoire. Un seul mot d'ordre, la victoire. Bonsoir à tous bonsoir et à toutes. Tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle soirée. Oh, ils ont fait des yo-yo alors qu'il n'y a pas de yo-yo. Voici nos adversaires du jour. Théodore et Michou, du solide pour ce soir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Tu peux faire mieux que moi, Théo. T'es un monstre. Oh, la ligne. Voilà, ça ressemble entre deux jeux. Les garçons sont en train de meubler, de parler de leur preuve. Les garçons, pendant ce temps-là, ils changent le plateau. Alors d'habitude, je suis, moi, je fais simplement. La cible est prête. C'est tout bon. On met bien à dispo les lunettes de sécurité, important. Ça me va bien ou pas? Ouais. J'ai un petit peu de lunettes, là. Non, tu veux pas voir le temps. Je vise le 10. C'est ça mon teammate. Bah alors les bouffons. C'est son jeu les gars, c'est son jeu. Regardez la démarche, le mec se la pète pas. Le mec se la pète pas. La soirée c'est un truc de fou. Là, c'est le dernier jeu, il y a 3 partout. Ça va jouer au jeu auquel on joue depuis le début de la journée les gars. C'est une petite déco. Voilà, vous dites moi en commentaire la petite déco, ce que vous en pensez. Bah, enfermons les yeux. Ah là là. Oh, oh, c'est trop. How's life here? Which is on here? Looking through the hole. God, I got! It is on here. Looking through the window. Victoire de l'équipe! Si tu mérites de perdre, tu as Gotaga dans ton équipe ce soir. Gotaga, c'est le pire teammate de l'histoire, c'était le pire joueur. Ils ont gagné le Ampex. Là, c'est le meilleur moment de la soirée. Ouais. Déjà, on a du fric contre nous et maintenant, on peut juste déstresser, profiter. Incroyable. On refait une game et là, les perdants, ils font 24 ans monnaie en plus. On peut refaire n'importe quel jeu. On est joueur. Vu qu'on est joueur, franchement, on est joueur. Ils ont compris. Et toi, t'as fait une affaire. Bah, serrez-vous la main pour le deal. Bien, on a besoin d'avoir une preuve. Le deal est accepté, les frères. Accepté. Pas de retournée impossible. Pas de retour en arrière. Très bon qui te double ça. Ouais, c'est hyper risqué, les gars. On est super perdants. Attends, mais on est grave perdants. Je viens de réaliser ma connerie. Et nous voilà de retour dans le stadium. Je l'ai dit en début d'émission, ce qui compte, c'est d'avoir le bon teammate. Je crois que t'es mal tombé, mon gars. C'est l'affaire du siècle. Voilà, c'est comme ça. On va aller vite.
Non mais gros, tu fais des renseignements. Frérot, j'essaie de changer les trucs et parce que ça rebondit. Il est nul à un point, mais névralgique quoi, c'est chaud. J'avais l'affaire du siècle, j'étais trop... Le replay, Frérot. Oh là là, il a mis 3 points en plus, vous l'avez pas vu, mais il était incroyable. Il était incroyable. Frérot, je crois qu'on est béni par les dieux, le ciel nous entend. Vous allez avoir deux contenus de qualité sur la chaîne. Quelle soirée de merde. De Gotha, c'est magnifique ce qui se passe. Et le 24 en monoté. Ah, mais arrêtez de filmer. Oh là. Je vous souhaite une bonne soirée. Les gars, on est foutus. Je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Merci à Michou, merci à Théodore. Merci à vous les gars. Merci tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi le live, c'était incroyable. C'était trop bien les gars. Tenez messieurs pour la photo si vous voulez des petites Tiens, c'est le seul truc que j'ai fait. Oh le bâtard, il a dit les termes. Tu le termines. Même toi tu le termines, c'est ça que j'adore. T'as pas encore signé. Ça c'était le meilleur arbitre. Moi je vais boire du Gotaga, Gotaga Café. Dedans il y a de la Gotaga O. 3, 2, 1. Ils ont juste chat. Non, ils ont joué, ils étaient forts. Les gars, vous êtes. Attention à vos femmes. Quelqu'un de gentil dans le monde. Arrête. Heureux en jeu, malheureux c'est en amour. C'est pas vrai, n'écoutez pas, les gars, c'est pas vrai ce qu'il dit. Il dit n'importe quoi depuis. Vous avez gagné haut la main, Michou. Vous avez gagné haut la main. On a gagné haut la main et on le mérite parce qu'on est meilleur. Je suis super heureux en amour, bizarrement, et toi? T'as dit que t'étais chaud les 3 points. Mais arrête, mais je pétais un peu. T'es célibataire? Ah non, mais t'es en couple, c'est vrai. Ah, c'est. Mais oh là 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 là, les écoutez pas, les gars, ils disent n'importe quoi. Sur YouTube, on la voit moins. Mais y'a rien du tout. Il a gagné. On arrive quand même à lui faire avoir le seum alors qu'il a gagné. Ce qui se passe sur TikTok en mode Elsa elle fait plus rien avec Michou en ce moment, mais c'est bizarre. Non, arrêtez, non. Arrêtez. Stop maintenant. On a gagné au lame, c'est tout. Ah, faut qu'on parle. Là, mon marrant, mon marrant. Ça tombe mal. J'aurais pas d'image, mais vraiment pas d'image. Bonne soirée, franchement, kiffante. Hein. Tu sais quoi? Je vais juste bouger les lèvres et tu rajouteras la voix que tu veux, ce que qu'on tu veux. Okay. Et de qui tu veux. J'ai été invité dans une palombière à passer une journée. Quelle sale journée qui se prépare, j'ai pas pu refuser l'invitation. 7 heures, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif. Pourquoi t'es muet? Oh, t'es un malade. Tu peux montrer la photo qui représente. Oh non. Live, vous êtes dans un gros cadeau. Ah oui, là on en fait ce qu'on veut, on l'utilise pendant 5 ans si on veut cette voix là. Envoie-moi la séquence. Allez, je te la donne. Quoi? Parce qu'il a fait Doug là. On en fait ce qu'on veut là. Parle, mais en mode tu dis rien et tu fais. Ouh, pinaise. Ça peut être retourné contre toi, fais gaffe. Ouais, ça va être. Non, bah, Andreas, il est pas gentil, hein, au montage. Pas du tout. Non, je connais, j'ai vu des montages qu'il faisait derrière. Vaut mieux pas que je lui donne matière. Tu veux donner un peu de matière, Michou? Au pire, le monteur t'enlève sa voix, tu fais ce que tu veux en vrai. Bah oui. T'as les rushs de lui qui parle. C'est vrai. Salut à tous et à toutes, c'est Diable. X9. Bon les petits loulous, fin de soirée. Quelle heure il est? On finit tôt, il est presque une heure. J'aime bien, y'a pas de petite victoire dans la vie. On finit tôt, il est presque une heure. Filme pas le bureau, s'il te plaît. Ouais non gros. Je me fais fumer par ma copine à chaque fois et ma mère. Entre mon daron qui m'a fumé à cause de toi, ma mère qui m'a fumé à cause de l'état du bureau. C'est, est-ce que la poignée a été faite ou pas? Par contre, faut que je ramène, c'est dans mon ancienne sacoche. Ça sera fait dans la fin de semaine, dis-le à ton papa. Ça sera fait, papa, ça sera fait avant la fin de semaine. Tu sais, je lui ai dit le t'inquiète. Ah ouais, comment il s'appelle? Domingos. On t'embrasse, Domingos. Et non pas Domingo. Bah les loulous, bonne soirée. Les loulous, bisous. J'espère que vous avez kiffé. Nous, c'était trop bien. Bisous la team, on vous aime fort. On se retrouve demain. Demain, il y a quoi, Alex? Il y a une grosse réunion sur les t-shirts. Ah, ça y est, ça commence à se concrétiser petit à petit. T'as un petit truc de ton t-shirt, un petit tease là, vite fait, parce que moi j'ai zéro idée. Toi, je sais que t'es bien calé. Moi, il y aura de la couleur. Ok, j'aime bien. Il y aura de la couleur, les gars. Vous inquiétez pas, je vais pas vous décevoir. J'aime bien. Et je compte sur vous, les Alexou. Le nom de la team, c'est sorti comme les ça. Les Alexou, parce que il y a beaucoup de team Steph, de team Yann et tout. Et moi, il y a pas beaucoup de. Moi, je suis team Alex aussi. Eh, la team Alex, Alexou, les Alexou là. Eh, dans le chat, on veut du love pour Alex. Les commentaires, s'il vous plaît. N'oubliez pas, il tient toujours la cam, du contenu et tout là. Beaucoup de cœur Alexou là. Je vais pleurer. Allez, ciao, ciao, bisous. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Elise, quand elle parle anglais, elle parle comme une Peaky Blinder ou ben je cache pour pas la perturber quand elle parle. Okay, just a question because I'm not sure we will be able to use it. Probably not because they are USB mic because... Ok Thomas Shelby. No fucking fighting! Elise, faut qu'on parle. Oui. Faut que tu m'expliques une chose. Pourquoi quand tu parles en anglais, tu parles comme une fucking Peaky Blinder? Même ton rire, il est en anglais. On te l'a jamais dit? Bah, je te jure, je te jure que tu parles comme une Peaky Blinder. Bah, je sais pas, moi j'ai. Je t'ai enregistré. Because so. Alors tu parles très très bien anglais, mais pourquoi t'as un accent irlandais? Bah en fait, mon père, il a appris l'anglais en Irlande. Voilà, donc je suis pas fou. Il y a bien une explication. Ouais. On a tous taffé notre anglais avec notre père et du coup, bah on a tous cet accent, mais on parle tous bien anglais. C'est incroyable. Eh, ça me fumer de rire, j'avais l'impression d'entendre Thomas Shelby. Je suis la pire de la fratrie en anglais, je pense. En tout cas, la frérotte, j'ai entendu qu'elle a demandé les nouveaux.
nouveaux claviers SteelSeries qui sont trop bien pour nous, donc voilà, j'espère que j'espère qu'on va en avoir. Utiliser le code GOTAGA12 et faire des ventes. Sachez que si on leur montre qu'on fait des bonnes ventes, et ben après on pourra faire du custom. Et peut-être... Ils m'ont dit on va pouvoir faire du custom bientôt. Et peut-être en faire gagner sur les réseaux. Elle m'a dit on va pouvoir faire du custom pour faire des giveaways en mode on fait 100 pièces, on équipe tout le monde et en plus on fait des giveaways. Insane. Merci Elise. De rien. Oh là là. Mais il est pas caméraman, tu sais. Ah ouais, mon gars. Bon les gars, il y a un moment donné, va falloir se régler. On a marre, la racaille Stéphane. Ouais, je suis fort à tous les sports, machin chouette. C'est pétanque, c'est mon milieu, c'est mon jeu, c'est my game, c'est my time. C'est de Marseille, c'est dans mon sang, c'est dans mes origines, dans mes racines. Ça va jouer à la pétanque et je prends l'accent marseillais. Papy, je te représente. On va le faire famille. Non, tu sais quoi, faites une équipe de Marseille, les gens du 13 là. Vas-y, chaud. Oh non, attends, non. Oh. Allez, trop fort. Magnifique. Première fusion de la team Steph et la team Yann, plutôt pas mal. Voilà, il y a bien, c'est un montage de nos deux gueules fusionnées. Faut qu'on se trouve un petit nom. Viens, on fait okay. Comme les Barbie, les trucs, les Action Man. T'es pas obligé de céder à tout ce qu'il veut. Hein. Power Rangers. C'est pas ça normalement. Il y a normalement, c'est vous partez de l'autre côté puis après vous vous rejoignez. Oui. Power Rangers! Oula, ouais, ça va faire une forme super bizarre du coup. Ouah, ça vibre de fou! A mal touché. Est-ce qu'on peut trouver un enfant qui ressemble et à Yann et à Steph, s'il vous plaît? Pourquoi un enfant? Mais parce qu'ils font beaucoup ça, tu sais. Ça doit exister. Un mix. Okay. Le fils de Yann et Steph. Il faut qu'on s'embrasse pour ça? Oui. Oui. Comme au. La réac! Quoi? Quoi? Mais c'est quoi ça? C'est la G-Corp? C'est à Turi, tu sors qu'on a failli s'embrasser. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce qui a fait perdre Yann. C'est la vidéo, bref. Bien joué quand même, Steph. Ah, vous savez que je sais jongler avec trois boules, regardez bien. J'ai fait CAP Cirque. Et la petite Élise, qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh là là, déjà j'arrive, je vois des souris, ça, c'est de la couleur, ça brille. C'était chérie, ils m'ont dit qu'on pouvait custom. Ah, tu peux custom les souris? Ils font un test sur un modèle et on peut le custom. De custom, ça augmente pas le prix en plus? Bah non, en fait, regarde, là j'étais comme ça. C'est où le code? C'est où qu'on met la carte? Elle m'a montré des souris, elle a trouvé une stylée, elle a acheté. Voilà. Du coup, elle est à moins de 100 balles. Ah ouais, y a ça pas part. De. Putain, la chambre. Mais franchement, coucou Karen. Franchement. Ça va, Karen? Il est vraiment méchant, Steph. Oh, tout le monde dans les commentaires dit que ça va trop bien. Ouais, par contre, vraiment, la nouvelle couleur. C'est fou cette manie d'avoir toujours les clés et ce bruit. C'est vraiment, on te reconnaît tout le temps juste au bruit. On a explosé Alex et Elise à la pétanque avec elle. Explosé de suite. On vous a détruit, il y avait 12-2. Il y a 12-8, arrête. Chiche, Elise, elle a fait son premier entraînement de foot avec l'équipe féminine. Wouhou. C'était comment? Bah déjà elle boite, c'est pas bon signe. Elle arrive à écloper déjà, c'est pas cool ça. Je suis fatigué un peu. Non, c'était trop bien. Par contre ouais, j'ai l'impression d'être passé dans une machine à laver quoi. Genre... Tour de terrain et tout? Ah bah oui, fort. Oui, fort. C'était le minimum ça. Ouais. T'as vu qu'ils ont monté les petits bureaux là? C'est pas, ils ont mis des goodies. Alex, il a tout volé. Get. Il a tout mis sur son bureau. Il a pris des trucs pour voiture alors qu'il a ni permis ni voiture. On est en train d'installer le setup F1 pour qu'il fasse des streams GP Explorer. Zion. En gros, je le mettais sur un OBS sur le PC où il jouait à F1. Je le projetais sur l'HDMI qui allait au PC stream parce qu'avec l'écran 21/9, faut faire du recadrage. C'était clair ou pas dans le bon Alex, faut qu'on parle. Tu viens d'arriver, il y a des nouveaux bureaux. Pourquoi il y a tous les goodies sur ton bureau? Pourquoi t'as 4 tasses, 2 gourdes? Non mais trop bien, on avait plein de trucs. Bah attendez, je vais les embarquer du coup. Mais c'est pas toi qui les as mis là? Non, pas du tout. T'en avais déjà dans ton sac? Tiens, prends. Yo, on se retrouve en salle de création parce que je vais créer tout simplement une masterclass comme d'habitude en fait. Pour le best-of, j'ai besoin d'une voix off un peu complément d'enquête, tout ça là, je sais pas comment expliquer. Je vais la faire moi-même en fait, c'est Alex qui m'a dit de le faire moi-même. J'ai pas eu le choix, il m'a menacé avec un gun. Et en gros, je dois doubler le moment où il dépose une peau de banane dans les locaux et que Dwagby glisse dessus. Donc ça va être un peu gênant. Putain, j'arrête pas de regarder le retour. Je suis pas un vrai youtubeur. Une peau de banane à même le sol. Un seul homme est capable de faire si enfant. Sukuizi, le célèbre influenceur connu pour ses pets assourdissants. Voilà, à quoi se résume mon travail. J'espère que vous avez kiffé cette séquence. On se retrouve bientôt pour... Bonne chance, hein. Oh, ça pèse 75 kilos. Première fois que vous verrez Alex faire quelque chose. Première fois qu'il ne portait pas la caméra, pépère. Dis le nom et l'adresse. Oh là là, la poste commence à s'énerver. Okay. On est trop de temps, les gars. C'est le départ de tous les envois, de toutes vos commandes pour la nouvelle collection. Je suis trop contente. Il y a plein de commandes. C'est que ça a bien marché quand même, hein. Mais c'est vide, dis donc. Et tu sais que c'est notre je sais pas combien de session de. Ah ouais. Mais tu sais qu'on a déjà vlogué cette mais semaine. Mais attends, mais là, il y avait full cas. Il reste qu'une casquette. On est merdé.
Non, deux. Alors, Camille, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors là, je suis désolé, c'est pas moi, c'est toi. Là, oui, c'est toi, t'as fait. Eh, c'est le projet Zinzinade, là. C'est la Zinzinade. On a une réunion tous ensemble, c'est parti. De la Zinzinade. La Zinzinade. Vas-y, fais ta danse. Oui, la Zinzinade. Oh, la Zinzinade. Je vais faire le même pas. Allez. Allez. Oui, la Zinzinade. Allez, Yann, moi, debout. Je peux pas, j'ai pas d'entrée. Yann. Non, mais Yann. Plus drôle de la G-Corp, il fait pas. Ouais, c'est vrai qu'il a pris un peu d'essai. Collection vlog 2022-2023. Ok, les gars, c'est la Zinzinade. Oh là là là. La Zinzinade. Du coup, là, l'idée, c'est de vous présenter un peu le processus de création et de production. Donc, pour le défi, on part sur un modèle imposé. Donc, c'est un modèle de t-shirt. C'est un t-shirt unisex et ample. Dégage, on rentre. Fais rentrer. Super, on fait le jingle avant de finir. Mais t'es sûr que tu veux faire un jingle comme ça? Tu peux pas juste faire un truc qui pop sur l'écran dès qu'on en parle, un peu avec le graffiti là, et puis le titre, le truc. Viens, tu peux mon t-shirt. Ça peut. Graffiti, hein? Saut de mille. Tu vas faire quoi? Un cargo? Ah, et harcèlement. Après, Alex, c'est moi la nouvelle cible, c'est ça? Andreas, tu mettras ce passage dans le blog. Ouais, mais Steph, on est d'accord. On a trois. Ouais, j'étais une malade, Elis! Tu m'envoies une grosse baffe comme ça? Peut-être que tu les regardes, eux, il y a mes mains. Ouais, j'espère qu'on a pas vu ta main gauche. T'es mal à marque? C'est l'autre joue, Steph. Comment veux-tu que je te mette une tatane? Ta main, elle est longue! Bon, allez, y'en a qui bossent ici. Allez, super la réunion, merci, Cam. Zinzinade! La Zinzinade! V1! Ah, j'ai la V1 du best! Du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a la V1 du vlog de dimanche. Du vlog de dimanche? Best-of de dimanche. On remercie surtout Andreas pour le montage des vlogs. Des best-of, pardon. Faut pas confondre. Moi, je fais les vlogs et lui, il fait les best-of. En commentaire, s'il vous plaît, on dit merci Yann pour le montage de ce vlog. Merci Yann. Du coup, là, il était en train de monter le vlog. Ah, c'est le vlog. Belle timeline pour le vlog. Oh, je ne comprends pas. Allez, c'est parti, visionnage du best. Ouais, c'est pareil, la tienne est très large. Quoi. Hein, quoi? Bon, les gars, on est en train de préparer le tournage de l'épisode 2 de Tuerie, tu sors. Et là, si je la mets, il y a tout le monde qui craque. Et là, on est en train de, du coup, de chercher des vannes, des vidéos pour chacun. On essaye de trouver l'humour de Steph, parce que Steph a gagné. Du coup, on essaye de le cerner. Yann, il a réussi à le cerner. Ça risque de bien se passer. Fais voir un petit peu ce... Moi, mon humour, il est très absurde. Moi, c'est les bruits de pelle et comme les vidéos qui se cut. Diamétralement opposé que Steph. Voilà. On n'arrivait pas à trouver ce qui faisait rire Steph. Il nous a montré un exemple de truc qui nous fait rire. Je fais, ok, c'est bon, je sais. Je vous montre une compile de vidéos. Les trois diraient qu'elles me font rire. Faites Steph. C'est un gars qui adore les vidéos un peu snap où ça crie un peu. La brioche. En fait, les mêmes que Mandreas dans les. Dans ah, le mais vraiment, c'est trop macabre. Vous l'avez vu, je te prends le brûlé, regardez. Un fragment de délire. Un fragment de délire. À 10h, là il est 11h30, ça finit pas, j'ai peur. Voilà, cet épisode 2, ça va être une masterclass. Et en plus, on va avoir de l'eau dans la bouche. Du coup, il y a personne qui pourra tricher. Dès qu'il y en a un qui rigole, il y a toute l'eau qui va sortir. Ça va être quelque chose, les gars. Tintintin. Ah là là. Ah là là, mieux. Bonjour, Mélina. Je suis prêt. On dirait pas c'est lui. Oui, c'est moi en tenue. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Regarde comme il est tout content. Wow. 1200 euros net. Mais comme t'es trop content. Non, ça va? On reste pro. Allez, raboule les papiers là. Raboule les papiers. Tu signes un contrat. Ah, moi, attends, je signe le plus important après. Bravo. Merci Alex, ton tour arrivera bientôt, je sais. Bon, t'inquiète. Bienvenue dans la famille G-Corp, Stéphane. Ça va être gênant. Reste là, tu bouges pas. C'est bon, je reste là. Non, de toute manière, tes papiers restent là. Toi, si tu veux, tu pars. Ça bouge pas. Ce que je t'ai montré juste avant. Avec ça, t'auras les timers et les trucs. Ouais. Donc t'auras juste à sélectionner les meilleurs passages. Donc voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout, il y a 1000 infos. Il y a 1000 infos. C'est vrai. Il y a 1000 trucs. Retenir, normalement, ah, t'étais trop mignon, je suis trop fière. Yann, la jeune génération, apprend à la encore plus jeune. J'aime beaucoup. Voilà comment on fonctionne. Si t'as des idées pour rendre le truc encore plus simple, t'hésites pas. En vrai, c'est trop bien. Petite passation de méthodologie et en plus de tâches. Ça me fera gagner 2-3 jours. Trop bien. Du coup, ça va te permettre de libérer du temps pour d'autres choses éventuellement. En fait, comme je suis sur les best-of toute l'année, d'un coup, je dois passer au rewind plus les best-of, je suis en mode ah. Eh ben bon courage Evan. Merci. Coucou Elise. Yo. Nouveau bureau pour une nouvelle vie. Nouvelle vie, je sais pas hein, ce que je redébordais, mais nouveau bureau. On est bien là. Que ça, papa. Bah du coup moi j'ai tout déplacé ce matin. J'ai dû galérer non.
ça va. Faut pas donner ce genre de bureau à Stéphane, c'est pour ça que c'est moi qui le prends. Non. Parce que Stéphane, déjà avec le bureau qu'il a, il met le bordel partout. Alors si tu lui donnes. En fait. Ça c'est Stéphane, à Stéphane, ça c'est à Stéphane. Plus là derrière toi, il y avait des trucs, c'était à Stéphane. J'ai tout mis là. Voilà, tout ça c'est à Stéphane. Plus tu lui donnes d'espace, plus il en fout partout. Ouais. Donc là, ça veut dire on avait décalé les bureaux, on avait laissé ça libre. Mm. Il l'a rempli de merde. Donc du coup, j'ai tout foutu là et faut qu'il trie là aujourd'hui, franchement. Oui, faut qu'il trie. Tu regardes mon plan, comment je dois le faire. Je suis là entre deux cartons. Il y a un problème, Stéphane. C'est vendredi. T'es mal l'écart qu'il y a entre le PC de Élise et l'arrière du bureau. Ça, c'est le genre de bureau, on se disait, faut pas te donner à toi parce que plus t'as de la place, plus tu mets du bordel partout. Mais c'est sûr. Eh, petit dégradé laser. Hein. Bien sûr. Je suis arrivé en retard hier exprès parce que je suis allé au coiffeur le matin. Ça va ou quoi la team? Ça va. Bon, Stéphane, t'as pas le droit de partir en week-end si c'est pas rangé un petit peu quoi. Au moins, déplacer quelque part, tu fais un truc. Genre, dis-toi, le bureau il est arrivé hier, il y avait déjà des choses. Mais tu sais qu'on a des preuves en vlog où on le voit prendre les cartons qui sont sur son bureau, du coup, qui l'appartiennent et le mettre par terre. Ouais, j'aurais dû rester chez moi. Qui veut 20 balles pour ranger mes affaires, vraiment? 20 balles cash maintenant tout de suite, personne. Mon petit Yann. Hello. Coucou. Petit Alex. Oh là 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 là, les best-of, c'est l'heure de la minute et Yann. La minute Yann. Ce plan Alex qui vient filmer les écrans, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir mille une fois. Le running gag des 45 vlogs, ça me fume. Et là, tu fais quoi, là au bout du best-of, je t'ai envoyé la V0. C'est hier, Ah ouais, d'ailleurs, mec, ce best-of, il était vraiment, 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 pour le coup, il est éclaté, je trouve. Je pense qu'on peut pas le sortir, celui-là, il est vraiment nul de fou. Yann, je rigole, il est incroyable ton best-of. Ah mais ça je sais. Mais oui Mais oui, mais alors attends, j'étais sur le best-of 40, je te dis. Oui, du coup en tu faisais quoi? Là j'arrive au bout, donc j'ai lancé l'export. Et ce qui est bien c'est qu'on est vendredi, près à début d'après-midi. Ouais. Du coup j'ai un peu de temps pour faire autre chose quoi. Bah par exemple, là à la fin de l'année on a un gros projet qui arrive. Ouais. Et du coup là... Oh là là, tu me hype mon petit Yann. Il y a des gens qui vont deviner ce que c'était mais... Oh là là, l'Intel. Bon bah super, merci Yann pour la petite bah, séquence. Bonne journée. À plus. À plus. Ciao. Ah, putain. Qu'est-ce cette chaise là? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ça là? Mon commentaire il était 1.05. Ouais, ça a changé les vlogs. Hein. Avant ça me calait, maintenant ça cala plus du tout. Hein. J'arrive à la caméra, tout le monde m'ignore, tout le monde fait sa life. Écoutez les gars, bonne fin de vlog, bonne soirée, bonne bande de bâtards. Je vais aller voir mon gars sûr, il y en a qu'un seul ici, c'est y a que Yann, c'est le seul mon gars sûr. Ouais Yann, t'es sur le... Ah, il m'entend pas. Yann, t'es sur le... Ah toi aussi? Personne me cala ici. Coco, tu me cala toi? Ouais, allez. Super. Merci d'avoir regardé le vlog. C'était la GQ. Oh là 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 là! Family, il est content! Je fais des numéros 7 dans ma team. Sors de là vite! Ah, vous avez tout de moisson aussi? Oui, ça va, je suis un Daft Punk.